donc on doit l'aider. S'il te plaît, en renvoie-la à ses parents, mère. Pourquoi tu ne nous expliques pas si c'est quoi le problème? Les mots sont trop lourds pour dire, père. Vas-y, dis-le. Vas-y. Disons que nos esprits ne sont pas compatibles. Tiens donc, mon fils. Ça, ce n'est pas une excuse. Vous devez apprendre à vous comprendre l'un et l'autre. Tu ne nous as pas montré que la fille a fait quelque chose de mal pour que tu puisses la rejeter. Père, tout ce que j'essaie de dire, que cette fille est... Est une quoi? S'il vous plaît, renvoyez-la à ses parents, je vous en prie. Ouloma, laisse-nous un peu là. Tu voulais nous dire quelque chose, qu'est-ce que c'est? Père, je pense qu'elle est une sorcière. Ne dis pas, je suis sérieux. Je le sens dans mon esprit. Elle est une sorcière. Ça, ce n'est pas vrai. Tout ce royaume connaît très bien que c'est vraiment une famille très très chrétienne. Juste comme notre famille aussi. Écoute, tu ne peux pas chercher à épouser une autre fille dans ce royaume. Tu sais quoi? La fille dont nous parlons ici est vierge. J'ai personnellement confirmé ça. Ah, elle n'est pas toujours rentrée. Elle a traîné. Ah, c'est quoi ton problème? Laisse-la vivre, hein? Ou alors tu veux partir la chercher. Tu n'as pas mieux à faire. Qu'est-ce qu'on fait sur ce terrain? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on fait sur ce terrain? Que fais-tu? Dégagez! Quittez-la! Allez! Ikena! Les voilà! Qui veut se battre? Battez-la! Les voilà! Battez-la! 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 Qui es-tu? C'est ce que tu es qui importe. Ton âme doit sortir d'ici. Mon âme. Mon âme est aussi emprisonnée. Et il n'y a rien du tout que moi ou une autre personne peut faire pour la délivrer. Nous avons le choix de déterminer où notre âme peut être captivée. Je ne comprends rien. Tu le sauras, si tu permets à tes yeux de faire un choix. Viens, ouvre cette boîte et fais un choix, et le plus sage. Choisis-moi. Je suis l'argent. Avec l'argent, tu peux acheter tout ce dont tu as besoin, y compris le pouvoir et l'influence. Et tous les biens du monde. Prends-moi comme ton choix. Mon enfant, choisis-moi et d'autres choses vont suivre. Je suis le plus puissant et le plus influent, car je suis intelligent. D'ailleurs, un leader doit être plus intelligent que ceux qu'il dirige. Je te rendrai célèbre, puissant et riche. Choisis-moi. Je suis la sagesse. Choisis-moi parce que je peux t'échanger. Je me présente à toi librement. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer.
Laissez-la. Va là-bas. Va là-bas. Sera découvert. Les ténèbres ne peuvent pas régner pour toujours. Tu ne peux pas la prendre. Elle appartient désormais à la reine de la nuit. Et qui va me stopper? Toi? J'en finirai avec toi. Ton pouvoir ne peut pas me limiter. Alors, je te retiendrai ici jusqu'à la nuit. Ça c'est au coucou, la forêt maudite. Je ne suis pas prêt pour mourir. Tu n'es pas prêt pour mourir. Non. Au lieu d'arrêter ce garçon, tu me dis que tu n'es pas prêt pour mourir. Hein? Je suis trop jeune, je ne peux pas accepter la mort. C'est ce que tu veux me dire avec tous ces poils sur ton corps. Et tu aussi, quand je te vois, je pensais que tu peux faire quelque chose. Tu parles comme ça parce que ce n'est pas ton frère, n'est-ce pas? Venez, arrêtons le gars là et me dites que vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas mourir, ne me concerne pas. Parce que ce n'est pas votre frère. Otondo, hein? Si tu veux mourir, va mourir seul. Nous, nous partons. Oui, on bouge, meurs seul. Que je punisse ta génération, que je punisse ton père. Tu vas mourir là-bas. Laisse-moi te dire, à Mouchi, nous prenons les gens avec les pneus. Ces gens sont des diacondés, ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas la force. Viens, tu vas voir que je te punisse. Et voilà, vous n'allez pas m'attendre. Vous êtes malade, imbécile. Stop. Tu es une sorcière, maman. Je t'ai vue. Chut. Attends, je te cherche quelque chose à manger. Attends. Tu as très mal, maman. Tu voulais m'initier, maman, dans la sorcellerie. Tu as reçu la parole.
Quelle parole? Ce que je te faisais comprendre concernant le boîte. Oh, Dieu. Ton initiation n'était pas complète. Tu dois garder ça comme secret. Quoi? Tu es une sorcière? Oui. Mais je ne suis pas le genre de sorcière que tu crois. Je suis une blanche sorcière. J'ai aucune relation avec les ténèbres. Tu le comprendras plus tard. Tu dois me faire une faveur. N'ose pas dire un mot à qui que ce soit. Quoi? Ça c'est quoi? Disons Yonduka. Non, 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 non. Maman. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Maman. Il n'est pas mort. Il a vu. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il a vu. Hey. Mon ami, mon fils est vivant. On va aller. Mon fils est vivant. Hey, on met quand même. Dieu merci au... Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, Dieu merci au... Tu es en vie. La méchanceté des enfants des Boubédiké ne peuvent jamais t'ôter la vie, mon fils. Hey, qu'aurais-je fait? Dieu merci. S'il te plaît, allons à la maison d'abord, mon fils. Où est ce... stupide Nduka? Oublie-le pour le moment. Hey, prends soin de toi d'abord. Écoute, mon fils, peut-être qu'il est temps que toi et Otondo, vous reconsidériez ces choses que vous fumez et buvez souvent. Hein? Et aussi, vous reconsidérez votre mode de vie des colas au profit de quelque chose de mieux, quelque chose d'intéressant. Allons-y. Lève-toi et partons. Dieu merci, tu es vivant. Hey. C'est ce qui est important pour moi. Hey. Qu'est-ce que j'aurais fait? Tiens, Samara. Dieu merci. Tiens, Samara. Tiens, Samara. Meso, comment vas-tu? Ah, ma soeur. Maman, qu'est-ce qui va pas avec maman? Maman. Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Où as-tu trouvé Meso? Où est Nduka? La réponse reste un mystère. Ce que veut dire? Nous devons d'abord aider maman à répondre dans ses forces. Ah! Oh mon Dieu! Bon, je m'en vais le chercher. Faut que je le trouve. Grande sœur! On doit aller le chercher urgemment. Arrêtons de pleurer et de faire le deuil. Ekena est déjà guéri. Allez, suis-le! Suis-le, on doit le chercher, on doit le retrouver. Que maman reste avec Meso. Nous, on doit partir le chercher. Bon, je m'en vais le chercher, il faut que je le trouve. Grande sœur, tu ne vas pas le retrouver. Que veux-tu dire? S'il te plaît, tu ne peux pas comprendre. Et comprendre quoi? Si tu te précipites, tu seras vraiment dans un danger. Tu n'es pas sérieuse. Grande sœur! Maman, maman, j'ai besoin de réponses à mes questions, maman. Je suis étourdie, mon enfant. Je suis étourdie. Mais j'ai besoin de réponses. Les choses que je parlais et voyais dans mon esprit étaient vraiment très très compliquées pour ma compréhension. Nduka a maintenant pris ma place dans cet endroit ténébreux. Il est dans un grand danger. Tu es une enfant de la destinée.
Tu as de l'expérience spirituelle que des gens ordinaires ne sauront pas comprendre. Je n'arrive pas du tout à le comprendre, maman. La terre elle-même, elle est en constante bataille. Deux forces opposantes sont déterminées de prendre le contrôle et régner. Je fais longtemps partie de ces combats pour préserver les pouvoirs positifs de l'univers. C'est la raison pour laquelle tu es une sorcière. Tu peux les qualifier comme tu veux. Cette terre est remplie des hommes malins. Beaucoup de peuples de notre communauté sont sous l'emprise de ces hommes rusés. Tu peux voir ce qu'ils ont fait et continuent de faire à cette famille. J'ai combattu les bons combats pour protéger ma famille et tous ceux qui sont proches de moi. Je suis étourdie, mon enfant. Peut-être que toutes ces forces peuvent être vaincues. La réponse que tu cherches est cachée dans les combats. Maintenant, tu fais partie des lignes des soldats illuminés. Oh oui! Mais insolissant, une boutade d'un jour à venir. Mais ton pouvoir ne sera jamais envoûté, à moins que tu complètes l'initiation dans la cour de l'élimination. Non! Non! Je ne peux pas être une sorcière. Même si c'est noir ou blanc. Je sens mon pouvoir. Oui, je sens mon pouvoir. Mais ça n'appartient à aucune classe de sorcellerie. Tu es la seule qui pourra affranchir ton frère. Qui pourra vaincre le pouvoir qu'il a en tant que ton frère. Ne comprends-tu pas? Non. Non. Je ne veux pas être une sorcière. Je ne peux pas être une sorcière. Je ne veux pas, maman. Je ne peux pas. Avec tout ce que vous avez fait, vous devriez avoir honte de ne pas réussir la mission que je vous avais donnée depuis ce jour-là. C'était en plein jour, grande déesse de la nuit. Ce n'est pas une raison. Vous devriez faire un effort. Tel que cela vous plaise. Nous n'avons pas tout perdu. Au moins nous avons le garçon qui est à la charge de la famille. Tu appelles ça victoire? Un sang important que je veux remplacer par un autre qui n'a même pas de l'impact sur notre royaume? Tu dois t'expliquer chez Lucifer. Ce sang n'est pas important dans nos mains. L'important est parti. N'importe quoi. Son sang n'est même pas fort pour notre purification. Relâchez-le. Grande déesse, nous ne pouvons pas le libérer. Mon frère et moi avons toujours voulu qu'il soit détruit, complètement détruit, mort. Qui a parlé de la liberté? Il peut bien rester avec nous. Mais vous devez vous concentrer pour détruire deux personnes, la fille et sa mère. Parfait. La mère et l'enfant sont dans un même endroit.
Mon Dieu, les forces des ténèbres. J'ai senti cette vibration au-dedans de mon esprit. Maman? Maman? Je t'avais couvert. C'est la raison pour laquelle je continue de respirer. Alors tu as besoin d'autre force pour que tu restes forte à faire face à ce combat. Mais tu n'as pas de choix. Tu dois d'abord finir l'illumination. Tu dois sauver ton frère. Tu dois sauver ton frère. Non. Je ne peux pas être une sorcière. Je ne peux pas être une sorcière. Non. Je ne peux pas. Encore cette petite. Elle a barré ma puissance. Elle a essayé d'empêcher ma puissance. Où est-ce qu'elle a vraiment trouvé ses pouvoirs? Cette bataille devient vraiment intéressante. Bonne arrivée, mon prince. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que tu es arrivé? Je t'ai laissé à Ikeago. La nuit dernière, j'ai compris que tu reviendrais ici, mais que tu ne trouverais personne pour l'entretien. J'ai pensé venir plutôt ici pour mettre la maison en ordre. Je suis arrivé le matin avec le premier bus. Les clés. Comment est-ce que tu es entré? Je m'étais souvenu que tu avais laissé la porte de la buanderie ouverte. Ce n'est pas vrai. Je me souviens avoir personnellement sécurisé cet appartement avant notre départ. Je ne sais pas où. Moi, j'ai vu la porte ouverte. Voilà. Laisse-moi t'aider, mon prince. Non, t'inquiète, ça va. Je chasse au père. Je chasse toi, tout esprit de poursuite. Toi, tout esprit démoniaque. Esprit de ténèbres. Esprit de division. Oh, le feu. Que tous nos ennemis brillent.
périssent. Que tous nos ennemis périssent maintenant. Au feu, au feu, au feu. Regarde-moi Satan. Regarde-moi Satan. Dans le nom de Jésus, vous êtes vaincu. Dans le nom de Jésus, vous êtes vaincu. Oh, chelou. Oh, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Votre règne a pris fin. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Tous mes ennemis, je vous délange, je vous chasse. Vous n'avez plus aucune autorité ici, dans cette maison, dans cette vie, dans ma famille. Au nom de Jésus. Seigneur, viens prendre possession de cette maison. Oh, toi seul, viens régner. Toi seul, viens régner. Toi seul. Oh. Toi seul, viens régner dans cette maison. Que ton esprit vienne régner dans cette maison. Que ta paix vienne régner dans cette maison. Que ta joie vienne régner dans cette maison. Oh, Jésus. En ton nom, je commande. Tout esprit qui ne vient pas de toi. Tout ce qui ne t'honore pas, oh Seigneur, vas-y détruire dans cette maison par le feu, consume, brûle, cassine toutes leurs œuvres là de Jésus. Oh, allez le feu dévorant sur tous, sans exception, qu'ils périssent tous. Je le dis et je répète, que tout pouvoir qui ne vienne pas de toi, qu'il soit éliminé, qu'il soit chassé, qu'il soit brûlé, au nom de Jésus. Par le feu, par la foudre, par le feu, par la foudre, amen, par le feu, par la foudre. Dans le nom de Jésus, oh toi Belzéboul, tu es vaincu. Sortez, je vous chasse, vous n'avez pas de place ici. Je vous détruis, feu dévorant sur vous, feu dévorant sur vous. Soyez vaincu, vous êtes vaincu. Vous avez perdu, vous avez perdu, vous êtes vaincu, vous êtes vaincu. Oh papa détruis-les, papa détruis. Je récupère mon héritage, je récupère mon héritage, je prends possession de mon territoire. Papa, détruis-les, papa, chasse-les par ton nom puissant. Montre ta gloire, montre ta gloire. Détruis-les, détruis-les, détruis nos ennemis. Oh l'amant, tu étais très fervente dans tes prières hier nuit. Je t'ai surpris de t'entendre prier en langue. Je ne suis pas très à l'aise contre le plan de sorcellerie qui serait dans cette maison. S'il y a vraiment des forces des ténèbres qui agissent ici, alors nous devons les contre-attaquer en tant que chrétiens. Ouais, tu as raison. Mais écoute, ce n'est pas que j'ai peur de la sorcellerie. Je veux dire... Je sais que ces pouvoirs ne peuvent pas avoir la victoire sur moi. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ok? Par ailleurs, j'ai remarqué que tu n'as pas pris ton petit déjeuner ce matin. Je jeûne. C'est vrai? Ah, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Écoute, je n'essaie que d'être curieux ici parce que je dois demander. Si tu es vraiment une chrétienne si dévouée, pourquoi tu te jettes à moi? Mais je ne m'étais jamais offerte à aucun homme avant toi. Si tu m'avais contrôlée, tu aurais su que je suis encore vierge. Et en plus, toi, tu es mon mari et je t'aime. La fornication est un péché devant Dieu. Attends un peu. Viens. Doucement, doucement. Prends place, prends place. Allez, on est presque. Casse. Aïe.
Hey! Pourquoi le monde est si méchant? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça, mon Dieu? Hier la nuit avec ces cauchemars, c'était vraiment terrible. Ganso, s'il te plaît, donne-lui à manger. Maman, faut que tu manges, non? Fais l'effort de manger, hein? S'il te plaît. Tu peux laisser. Viens à mes côtés. Vous êtes venu m'achever? Écoute, femme. Je ne suis pas ici pour cette diatribe, cette stupide diatribe. Maintenant, écoute et écoute très bien. Hein? Si je n'ai pas invoqué la colère des dieux des ancêtres depuis la mort de notre grand frère, ce n'est pas faire preuve d'un poltron. Oncle, tu nous as fait beaucoup de mal, oncle. S'il te plaît, je t'en prie. Laisse-nous tranquilles. Pardon. Ah, est-ce que c'est la radio que j'entends ou bien c'est un être humain qui parle? Tu es malade, impoli. Tu as aussi tu as la bouche pour parler quand les hommes parlent. Qu'est-ce que tu as? Je vais te le montrer maintenant. Tu es malade, regarde-toi. Allez, ferme ta bouche aux gens. Lâche. Regardez celle-ci. Maintenant, écoute, femme. Écoute et écoute très bien. J'ai une nouvelle pour toi. Toi et tes enfants. Vous sortirez de cet appartement et aller vivre dans ma petite cabane. Cependant, moi, le plus âgé en vie de la famille Ouama, j'occuperai cet appartement. On verra. On verra bien. Ta place depuis maman, calme-toi. Calme-toi. Ça, ce n'est pas possible. Aucun de vous ne nous mettra hors de cette maison. Avant de le faire, vous devez passer par moi. Et toi, Izo, méchant que vous êtes, de n'importe quoi. Tais-toi, laisse-moi te dire. Vous voyez votre salon là, c'est ce que je vais transformer en ghetto. Là où je vais fumer mon chanvre indien et boire. Je suis peut-être une femme de paix. Mais ça, je ne l'accepterai pas, oncle. Le fils de mon père n'a pas encore été déclaré mort. Et moi, en tant qu'enfant la plus âgée, je dis que personne ne prendra la maison de mon père. Ni vous, ni vous. Et certainement pas cette chose. Je préférerais encore mourir plutôt que de vous regarder vous accaparer de cette maison. Et ça va arriver. C'est toi le méchant qui mourra avant. C'est toi qui vas mourir avant nous tous. Méchant que tu es. Écoutez, ce n'est pas le moment de chamailler, de se disputer. J'ai une bonne nouvelle pour vous toutes. Je suis content de vous annoncer que nous avons maintenant un acheteur pour le grand terrain familial. Et ça va dans les millions. Et qu'une d'entre vous n'est permise d'entrer sur ce terrain. Je ne peux pas le faire. Maman, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Ne l'essaye même pas. Maman, maman, n'essaye même pas. Maman, maman, avertis Léo. Ah, ok, vous allez voir, non? Ah, tu vois pas là, nous perdons le temps ici. Pardon. Laisse-la. Tu ne le feras pas. Pourquoi vous êtes vraiment très très méchant? Pourquoi? Toi la petite souris, est-ce que ces esprits démoniaques t'ont déjà possédé? Allez, ferme ta gueule avant que je ne te tue. Allez, essaye, on verra bien. Ah, t'as quoi? Qu'as-tu quoi, baboy? Oh, t'es le baboy. N'avez-vous pas votre propre terre à vendre? Pourquoi voulez-vous vendre la terre de mon mari? Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Ferme-la! Est-ce que c'est parce que nous avons permis que ces sorciers et sorcières vivent avec nous dans cette famille? Hein? Laisse-moi te poser cette question. Dans ce royaume marin, là où vous tenez vos rencontres, est-ce que les femmes ont du terrain? Demande. Si tu continues de parler à ma mère comme ça, je vais finir avec toi, idiot! Où le gars d'Adjégoulé? Où étiez-vous quand mon chien a pris dessus? Tu es malade? Mon fils n'est pas encore retrouvé. Pourquoi vous faites ça? Mais il faut qu'il vienne. C'est très gentil. Maintenant, écoute, femme. Cette décision est finale. C'est la décision finale de la famille. Allez, venez. Essaie juste de passer. Passez cette ligne et puis on verra. Essaie de passer cette ligne, on verra. Essayez, non. Venez passer cette ligne.
Allons-y. Allez, essayez. Passez, venez récupérer votre parcelle. Méchant que vous êtes. N'importe quoi. Ça, c'est l'hymne national quand il chante comme ça. Ne m'essayez pas, vous allez regretter. Cupide que vous êtes, venez prendre la parcelle. Venez, non, on va voir. Maman, tu le dis, moi. Hein. Maman, tu vois ça? Je suis le propriétaire de ce royaume. Je suis le fils aîné de Agbala. C'est amer. Ça sera mieux. Voici. Ça sera sur ma tête comme une fleur. Gadego, c'est moi le chef. Mazio Kebo. Oh mon Dieu. J'ai fait tout ce qui est dans mon pouvoir, sur ta jambe. Je ne suis plus en mesure de résoudre ce problème. Je suggère que l'on puisse amputer cette jambe avant que la partie qui reste soit infectée. Ah, s'il te plaît, pardon. Essaye tout ce que tu peux faire pour guérir la jambe. Je suis parti chez plusieurs guérisseurs, mais ils n'ont pas résolu. S'il te plaît, aide-moi avec cette jambe. S'il te plaît. Tu as des conflits énormes avec les dieux. Et ils continuent à rejeter tes sacrifices. Je n'ai pas offensé les dieux. Ce n'est que les travaux d'un sorcier de notre communauté appelé Njamike. Je sais qu'il est sorcier, mais il n'est pas en mesure de surmonter tous les dieux de cette communauté. S'il te plaît, aide-moi, je vais mourir. Oh. C'est comme si les dieux sont du côté des Jamaïcains. Et je te suggère de traiter avec Jamaïcains. Hein? Jamaïcains qui a détruit ma jambe jusqu'à ce point. Tu veux que je parte traiter avec lui? S'il te plaît, pardon. Sur mon cadavre, je préfère mourir. Hey! S'il te plaît, je ne peux pas faire ça. Mazio Kebo, quelquefois, la têtutesse conduit les gens rapidement à leur tombe. Je comprends très bien que ta jeune femme a mis au monde des jolis garçons. Tu veux que ces garçons innocents n'aient pas le privilège de connaître son père? Non. Et tu refuses les instructions des dieux? Les dieux veulent que tu partes traiter avec Jamaïcain. Jamaïcain? En tout cas, excuse-moi, je ne peux pas faire ça. C'est bien. Merci, tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller. Hey! Hey! Mais s'il te plaît, non? Je t'en prie, s'il te plaît. C'est toi qui nous aides à trouver à manger, non? Maintenant que maman est malade, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, non? Franchement, je suis dérangé par Nyobodo. Ce village est plein de sorciers. Nyobodo? Oui, ce sont les sorciers de la nuit.
Si je fais ce travail pour vous, ils vont détruire ma famille. Alors, Derubé, donc ça veut dire que tous les hommes maintenant doivent avoir peur de ces hommes méchants. Hmm? Alors, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun homme brave dans tous ces villages pour faire face à ces hommes méchants. Hein, c'est Derubé? Ma chère, tu ne vas pas comprendre. Ceux qui ont essayé ne sont plus vivants pour nous dire quoi faire. S'il te plaît, trouve quelqu'un d'autre pour le faire pour vous. C'est donc pour ça que tout le monde refuse de travailler sur nos champs? Tu as vraiment besoin de ma réponse? Lâche-moi! Que fais-tu? Mais qu'est-ce que tu fais? Alors comme jusqu'ici, vous tous, vous avez peur de monter cet arbre, je vais vous prouver le contraire. Je vais monter cet arbre moi-même. Parle à ta sœur. Qu'essaies-tu de faire? Tu veux faire quoi? Je vais le faire. Je vais couper ça et puis je vais grimper. Parle à ta sœur. Écoute, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Alors, vas-y, laisse-moi. J'ai lavé mes mains dans vos histoires. Ici, reviens, tu vas où? Ndoka est toujours là-bas. Mon fils ne saura plus tenir par lui-même. Ne te laisse pas, maman. Pourquoi il peine seulement tout nous prendre comme ça? Je sens la peine de Ndoka, mon fils. Je sens la peine de mon mari et de ma famille. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Maman, pourquoi tu parles comme ça? Ce n'est même pas encore fini. J'ai fait la part de mon combat. Mon âme ne va plus supporter cette exécution. Ça devient au-delà de mes forces. Mon enfant, tu dois continuer ce combat. Maman, ne me fais pas peur. On ne peut pas te perdre maintenant. Cette nuit, le processus d'élimination viendra pour toi. Ta force doit se révéler et se manifester. Tu dois garder ton nouveau pouvoir en secret. Tu ne dois même pas le révéler à ta famille. Sinon, ils découvriront tout. Ils vont devenir une distraction pour toi. Même ceux pour qui tu as combattu pour protéger. C'est une réelle tragédie qui te frappe. Mais seuls les âmes de lumière peuvent voir au-delà. Peut-être, tu peux m'aider à la persuader, reine mère. Tu connais la condition. Seul un membre direct de la famille a le pouvoir de notre intervention. Bon, allez dehors. Je vais avoir un peu d'air. Aurélie, approche. Ici. Arrête de parler comme ici. Ça, je risque de tomber. Ici. Ici. Cette initiative me fait peur. Attends, ici. Je vais essayer de monter avec ça. Attends, ici. Attends. Attends. Ici. Allez, pousse-moi. Attends. Ici. Attends. Ici, voilà. Ici, ne fais pas ça, non? Hein? Attends, ça attends. Me déplaît cette allez, histoire. Enlève ça. Enlève ça. Abouakao. Mais tu vas te faire mal, non? Laisse-moi. Mais... comme elles ne peuvent pas faire ça, laisse-moi faire. J'arriverai. Mais tu sais que les femmes ne sont pas censées. Ce n'est pas le lieu de notre terre. Ça. Je le ferai. Ici. Je vais grimper. Ici. Ça me déplaît ce que tu es en train de faire. Allez, ici, descends. Hein? Laisse-moi faire. Papa. Laisse-moi faire, gros. Descends pour maman. Ça y est. Ici. J'ai coupé. Ici. Allez, doucement. Ça tombe déjà. Vas-y, doucement. Hein? Ici. La voilà. Elle est là sur l'arbre. Hey, c'est fini pour toi aujourd'hui. Aïe. Tu vas mourir. Aïe. C'est fini. C'est fini. Elle est sur l'arbre.
C'est fini pour vous toi. Vous venez contre moi. Tu aurais pas à ta famille. C'est ta mort aujourd'hui. Aujourd'hui, tu verras ta famille. Hein? C'est fini. C'est fini. Tu verras aujourd'hui. C'est fini. Laisse-toi. Attends d'abord. Tu vas mourir. C'est ta fin. C'est ta fin. Toi, tu joues. T'as passé avec les garçons. Aujourd'hui. On va aller. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Descends. Mais on va tabasser ta soeur. Et on te tabasse toi aussi. On tabasse toute ta famille. On va tabasser. C'est quoi? Tu l'as tué? Chine! Ikena! Ikena, réveille-toi! Ikena! Il a aussi refusé. Je n'avais plus le choix que de monter moi-même, de grimper. Donc tu as grimpé le palmier? Oui. Je l'avais grimpé. Après tout, ce n'est pas intérêt de la communauté. Et puis, Ikena et tous ces gars sont venus nous battre. On devait se défendre nous-mêmes, non? Maman, ce que j'ai fait à Ikena, je l'ai battu à mort. Je les ai battus, comme des petits enfants. Tu ne devais pas les suivre, non? Avec cette condition, tu veux me tuer. Pourquoi tu n'as pas pitié de moi, non? Pourquoi tu fais ça? Maman, il n'y avait pas de choix, non? Je devais me défendre moi-même. Oui, non? J'ai frappé Kena la tête. Oui. Il ne voulait pas le faire, tu veux. Allez, dans la maison, vite, entrez, dans la maison, entrez, allez, toi, entre. Nzabu. Attendez, tu ne peux pas nous laisser tranquille. Qu'est-ce que tu veux, Tondo? Qu'est-ce que tu veux? Fais sortir ça des sorcières. C'est plus précisément ta fille là qui pense qu'elle peut se battre avec tout le monde. Fais-la sortir et qu'elle vienne se battre avec tous les garçons qui sont ici. Et on va voir ce que ça va donner. Elle vient se battre avec nous. Laisse-moi te dire, tes atrocités dans ce village, c'est trop. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qu'elle sorte, nous allons les battre. Nous allons les tabattre correctement. Qu'elle sorte, nous allons les battre. C'est quoi? Oh Tondo, mes soeurs ne sont pas ici. Tu les as chassés comme tu avais fait à mon frère Mbou. Ah, maudite fille, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu connais? Toi qui as déjà initié dans le royaume noir, qu'est-ce que tu connais? Je vais te cogner maintenant, tu es malade. Mais qu'est-ce qu'on est là? C'est ta soeur, entre là-bas, allons-y. Ne la laissez pas partir, elles sont fouillées partout. Cherchez partout et trouvez-les. Alors qu'est-ce qui arrive à leur père? Toi tu es là-bas me regardant. Je vais te cogner maintenant. Je me regarde. Je vais te cogner maintenant. Et toi, vous ne les avez pas vus? C'est quoi? Elles sont où? On n'a vu personne. Vous êtes malade. Personne n'est là. Vous ne connaissez rien. Suivez-moi. Elle ne veut pas partir. Suivez-moi. Elle ne veut pas fuir. Où sont-elles? Fouillez partout. Cherchez partout, à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Dépêchez-vous. Deuxièmes. Qui a-t-il? Peut-être qu'elles sont toujours là. Non, tu n'es pas sérieux. Allons de l'autre côté. Allons, bougeons. Allez, bougeons.
Allez, viens, viens. Oh, oh non, non, hein? Comme ça. Dépêche-toi, dépêche-toi, non, dépêche-toi. Allez, ah, pas comme ça. Qu'est-ce que tu montes? Monte, monte. Allez, vite, dépêche-toi. Allez, monte, dépêche-toi. Dépêche-toi, monte. Ok, monte. Monte. Elles sont malades. Suivez-moi. Cherchons la fouille. Je t'avais dit. On était déjà passé par ici, non? Vous avez cherché. On était ici, on a cherché partout. On a cherché partout. Dieu les a sauvés. Mais on a cherché. Ah, si je les vois, je leur briserai la tête. Vous les avez laissés fuir. Vous êtes malades. Ah. Putain de merde. Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a toujours à faire ici? On a cherché partout. Tu vas le changer pour toi. Otondo, je m'en vais. Partez-moi, tu me fais aller ou pas? Bonne chance. Je m'en vais également. Partez-moi, au revoir. Je vais rester ici. Hey, merde. Je suis ici. Moi, je m'en vais. On va voir aujourd'hui. On saura qui est plus fort. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes? Sortez! Je crois que vous étiez déjà morte. Non, maman, nous étions sur le toit. Sur le toit? Hey! Je vous avais interdit. Je vous ai interdit de ne pas vous battre. Pourquoi vous vous battez? Hein? Vous voulez me tuer? Ici, écoute, nous devons quitter ce village. Nous devons quitter ce village. Ce village commence à devenir trop dangereux pour nous. Le Kenai que je connais ne pourra jamais nous le pardonner. Ils ne feront rien. Qui doit partir d'ici? Moi? Écoute, je n'aimerais pas quitter ici juste à cause de vous. Tu es trop passive. Ça ne dépendait que de moi. Crois-moi. Ils allaient regretter. J'étais sûre, j'allais finir avec eux. Et moi, je ne vais aller nulle part. Je vais rester ici pour protéger maman et mes soeurs. La personne qui doit partir d'ici, c'est toi. Parce que tu es trop passive. Je ne te comprends pas. Ah, où elle est? Ah, où elle est? Ma. Tu dois quitter ce village aussi tôt que possible. Tu dois partir d'ici. Tu dois partir d'ici aussi tôt que possible. Grande sœur, où elle est? Maman a raison. Hmm. Ton futur n'est pas du tout bon dans ce village. Tu es vraiment mauvaise pour eux. Même une petite fille te dit ça. Mais je ne comprends pas. Grand oracle des dieux. Les dieux avaient besoin de ta présence. C'est clair que tu es venu pour un cas familier. Il a reconnu ses erreurs et il demande le pardon. Tu as insisté que je l'avais suggéré. Tu as bien fait. Bien, alors, mais je croyais que tu ne voulais pas m'aider. Lukebo. Oui, parle. Si les dieux ont choisi de tourner leur cœur sur une direction différente, qui suis-je pour leur refuser cela? S'il te plaît, juste arrête ça pour que je parte. Je t'en prie, s'il te plaît. Tu seras guéri. Sois patient. Votre maison est toute belle, mon prince. Ah, tu parles comme si c'est la première fois que tu le vois. Bien, avec tout ce que vous avez, cet esprit mauvais allait vraiment prendre contrôle de toute cette maison. Mon prince, vous avez très bien fait de la mettre dehors. Mmh. Oh, mets-toi à l'aise, s'il te plaît. Merci. Que puis-je t'offrir à boire? Du jus? Comment connaissez-vous mon goût, mon prince?
On dirait que ce n'est pas coïncidence. J'arrive. Oulouma, le prince a dit que tu as retourné chez vous. Es-tu sûr qu'il te l'a vraiment dit? Bien, je crois que c'est ce qu'il m'avait dit. Voici le jus. Merci, mon prince. Je t'en prie. Alors, Oulouma, je vois que tu as trouvé une nouvelle amie dans la ville. Oh oui, mon prince. Oulouma et moi avions étudié ensemble à l'école secondaire à Jikabo. Ça, c'est bien. Ada, es-tu née de nouveau? Oh oui, mon prince. Oui, bien sûr. Ça, c'est très bien. Je te conseille de tenir fermement ça. Alors, que viens-tu faire ici? Maman, je suis prête à partir. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas rester avec la famille de mes amis qui sont à la cité. Ils sont là à la cité. Et ils m'ont appelé. Ils ont dit que tu peux aller là-bas. Ok, maman. Je vais y aller et faire de mon mieux pour m'en sortir. Mais je refuse d'être une charge pour qui que ce soit. Je veux pas. J'irai vivre avec l'amie dont je t'ai parlé. Elle m'attend à la cité. Ok. Que Dieu t'accompagne. Amen. Amen. Mon voyage. Maman, moi j'arrive. Hein? Laisse-moi aller l'accompagner jusqu'à l'arrêt. Il ne faut pas aller te bagarrer. S'il te plaît, si tu suis, tu fuis. Je suis très faible. Je ne veux pas me stresser. Biko, Biko, je ne supporte plus de pression. S'il te plaît. Ok, maman. Tu as écouté maman, j'espère. Ah, mon soeur. Reste une bonne fille, ok? Prends soin de maman. Bye. Au revoir. Bon voyage, hein? Je suis là-haut. Le garde d'écho. Le monsieur d'écho est là. Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent là-bas? Hein? Je suis là, le gars d'écho. Niru kone chere mo papa gage kwe
Bon après-midi. Et toi, viens par ici, viens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous ne sommes pas là pour te faire du mal, mais seulement pour investiguer ton ngongo. Oui, tu dois nous dire si tu es un homme ou une femme. Nous devons le savoir aujourd'hui. Et pour que l'on sache, tu dois te déshabiller. Maintenant même. Allez, vas-y, dépêche-toi. Fais ça toi-même, oh, sinon on va le faire à ta place. Laisse-moi te dire. Prie que tu ne sois pas une femme. Parce que si tu l'es, allez, tu vas-y. Auras ta part. Biko. Lève-toi. Viens par ici. Là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Là-bas. Toi. Truc chez Maman Idioma. Ok, mais ne traîne pas. Ok, maman. Arrivé là-bas, on va tout droit au but. Bonjour. Oh bien, je te salue. Femme, beaucoup de plaintes nous sont parvenues à propos de la terreur que sème ta fille dans ces villages en battant nos jeunes hommes. Cela ne veut pas dire que nos jeunes hommes ne peuvent pas la battre jusqu'à là-bas. Oui. Elle profite de cette situation, bien qu'elle est une femme. Nous avons aussi réalisé que son pouvoir est issu d'une sorcière qui la soutient toujours. Et notre grande famille n'est pas prête pour accommoder une sorcière. Jamais. Jamais. Okay. Moi, je ne suis pas une sorcière. Oh. Je ne suis pas une sorcière. C'est Ozo qui a commencé de me troubler, non? Quand j'ai passé. Alors, je devais me défendre moi-même, non? Tu la fermes. Ok, bon. Ça m'étonne que vous défendez. Femme, je n'ai jamais pris de position pour qui que ce soit. Tout ce que je veux, c'est la justice. La justice? Tu as dit justice? Oui, je représente la justice. Ok, bon. Si tu es vraiment le pilier de la famille Omola, en quoi la mort de mon mari te concerne-t-il? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ma famille vous a fait? Quoi? Pourquoi vous cherchez à écraser cette famille? Ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça, dites-moi? Chaque femme qui n'a pas de respect pour l'homme devrait être sanctionnée. Oh oui. Cela va sans dire. Et tout jeune homme qui pense qu'il peut réussir sans le soutien de ses parents ne fait que plaisanter. Ça, c'est clair. Pour ton information, la famille entière de Ohoma ne te reconnaît plus. Dis-lui ça. Tu ne peux plus cultiver ou récolter sur un terrain qui appartient à la famille Ohoma. Voilà. Jusqu'à ce que tu vas publiquement demander pardon et jurer que tu ne vas plus jamais te disputer avec n'importe quel membre de cette famille pour le restant de ta vie. Exactement. Comme personne ne sait pas là où se trouve ton fils et comme tu refuses aussi de répondre à la requête de la famille, cet appartement et toute la maison appartiennent maintenant à Omalo. En tant que l'aîné de cette famille. Ce n'est oui. pas clair? Très bien. Ogwezo, Izigini, quelle maison? Cette maison. Quelle parcelle? Cette parcelle même. Nduka. Nduka, où es-tu, Nduka? Viens. Reviens, Nduka, avant qu'il ne nous ravisse tout. Nduka, reviens. Maman. Vous attendez voir une vieille femme comme moi devenir clochard avec ses filles. Maman, ta santé n'est pas bien, non? Akini, Goloba, Akini, Goloba, non, ta santé n'est pas bien, Akini, Akini. Vous tous, préparez-vous. On doit finir avec ça.
parce que je suis prête de mourir pour défendre votre maison. Tais-toi, abomination. Ah, maman. Maman. Maman, c'est quoi maman. Ça maman. Maman, qu'est-ce que... Maman, qu'est-ce que c'est ça? Maman. 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 Maman, qu'est-ce que t'as? Maman. 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 Maman, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce que t'as? Maman, réveille-toi. Maman. Réveille-toi, s'il te plaît. Maman. 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 Maman, s'il te plaît. Qui va la suivre? Maman. Bien, cette situation a changé, oh. Allons-nous-en. Elle arrive. Maman, attendez-moi là. Elle arrive. Thank you.
sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh Dieu. Pourquoi tu me montres toujours ces choses? Est-ce une famille que je connais? Que dois-je faire? Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La parole. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole. Pourquoi tous ces hommes veulent-ils coucher avec moi avant de m'aider? Est-ce qu'un homme de nos jours ne peut pas aider une femme sans vouloir coucher avec elle avant? Ça voudrait dire que j'aurais à coucher avec des hommes 24 heures sur 24 tous les jours. Ma chérie, voilà pourquoi j'aime l'indépendance financière. Ça, c'est vrai. Tu dois d'abord travailler. Tu te fais de l'argent et puis il va retourner vers toi. Tu n'as pas besoin de la prière et toutes ces prières que tu fais. Ce qu'on doit faire, c'est réfléchir comment est-ce qu'on peut se faire de l'argent. Oui. Tu n'auras pas un certificat parce que tu es vierge. Ah oui, tu n'as que 2 mois avant qu'il ne puisse te retourner. Alors, que vas-tu faire? Les hommes peuvent être désespérés à un point. Il y a un qui m'a promis un job, une voiture et même une maison. Et comme si ça ne suffisait pas, il m'a signé un chèque de 5 millions de naira. Il m'a même demandé si je le voulais en cash. Hey, es-tu sérieuse? Attends, avant que je ne réponde, il m'a sorti une mallette remplie de dollars et m'a demandé si je préférais les devises. T'imagines? Qu'est-ce que tu fais? Je prends les 5 000 naira qu'il m'avait donné. Oh, relax, je n'ai pas encore fini. Quand j'ai vu à quel point il était désespéré, je me suis mise debout. Je l'ai insulté, je lui ai dit mes 4 vérités. Et je crois qu'en ce moment, il doit regretter de m'avoir rencontré dans sa vie. Oui, bravo. Je crois qu'il est même en train de regretter les 5 000 naira qu'il m'avait remis. T'es normal? J'ai rejeté toutes ses offres en bloc. Qu'avais-tu fait? Je suis partie sans rien. Tu as tout rejeté? Écoute-moi, tu quittes cet endroit maintenant. Je ne peux pas rester avec une folle comme toi. Tu te prends pour qui? Pour une riche ou quoi? Oh, j'ai dépensé tout mon argent. Et à ton tour, tu ne fais que tout rejeter. Écoute, il est temps que tu sortes là-bas et que tu te prennes en charge. Comme ça, tu pourras tout apprendre. Et comme ça, tu pourras bien te comporter face à l'argent qu'on te donnera. N'importe quoi. Ada, tu pars maintenant. Ada, tu dois sortir. Ada, tu quittes chez moi maintenant. Non. Ada, ne fais pas ça. Tu quittes, Ada, sors maintenant. Je dégage de ma maison. Dégage. Vas-y, sors. Non, je t'en prie. Je dis sors de ma maison maintenant. Sors. Vas-y, sors. Sors maintenant. Sors de chez moi. Sors. Allô? Allô? Mais c'est pas un moment? Ah! Pourquoi est-ce que tu pleures? Je t'ai appelé plusieurs fois hier. Que s'est-il passé? Maman n'est plus. Hey! Elle n'est plus. Par
parle, non, parle. Tu sais, tu perds ton crédit, je t'écoute. Maman est morte. Non, non, maman n'est pas partie. Non. Jeune fille, pourquoi tu es assise ici pleurant? Il n'y a rien. Je ne suis pas en train de pleurer. Je ne suis pas aveugle. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Pourquoi je sens comme si je te connais? Tu ne me connais pas. Écoute, peut-être pas physiquement, mais je te vois dans mes rêves. Toi et ta famille tout entière. Laissez-moi tranquille, pitié. Laissez-moi. Attends et écoute, ta famille tout entière est au risque d'être balayée. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Comment vous pouvez savoir ça? Je ne sais pas, mais je l'ai vu clairement dans mes rêves. Tu as un grand frère et deux petites sœurs. Ils habitent avec tes parents au village. Écoute, maintenant, ta famille est sous une grande attaque de la sorcellerie. Ah! Attends! 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 Ne cours pas, attends! Attends! Arrête, arrête, arrête! Arrête, oh, arrête de pleurer, arrête de pleurer! Laissez-moi partir! Laissez-moi partir, calme-toi, je t'allais... Calme-toi, calme-toi! Je t'allais retrouver! Calme-toi! Ça va! Ça va! Non, je ne peux pas! Je ne peux pas! Je viens à peine de perdre ma mère! Et j'avais déjà perdu mon père! Et mon unique frère est porté disparu! Ma famille entière a des problèmes! Et ça va retomber sur mes petites sœurs qui sont restées au village. Moi, je suis finie. Oh mon Dieu. Je suis finie. La manifestation déjà commencé. Je suis finie. Ça a déjà commencé. Oh. Que savez-vous sur ce qui arrive à ma famille en ce moment? Je ne suis sûre de rien. Je ne suis sûre de rien. Tout ce que je sais, que le fait de te voir ici a rendu tout clair. Oh, écoute, regarde. Tu dois venir avec moi. Je crois que notre rencontre ici a été destinée par Dieu. Tu dois venir avec moi, s'il te plaît. Je veux t'aider. Je veux t'aider. Je t'en prie. Calme-toi. «
dont tu les as tous tués, n'est-ce pas? Confesse, petite sorcière, à Moussou. De quoi parlez-vous? Arrête de faire semblant. Ma chère, cette sorcière de ta petite sœur est responsable de tous les malheurs qui vous arrivent. Quoi? Monsieur, pardon, pardon. Je te supplie, au nom de Dieu, avant que les gens ne disent que je t'ai insulté, je te supplie maintenant, prends ton chemin, laisse-nous seuls. Pardon, nous sommes des orphelines, je te prie, ne nous trouble pas davantage. Ma fille, tu penses vraiment que la mort étrange et toute cette méchanceté venant de tes oncles sont ordinaires? C'est vraiment ce que tu penses? Demande à ta petite sœur ici, la sorcière, ce qu'elle a fait à tes parents. Demande-lui. Et s'il te plaît, sois très prudente, parce que tu peux être la prochaine victime. Miso, qu'est-ce qui se passe ici? De quoi est-ce qu'il parle? Grande sœur, ne le suis pas. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il parle. Maintenant, demande-lui devant moi ce qu'elle faisait avec toutes ces créatures mystérieuses en pleine nuit pendant que vous toutes étiez en train de dormir. Demande-lui. À Moussou, sorcière, je t'aurais averti. Sois prudente, à Moussou. Donc. Grande sœur, ne l'écoute pas. Je ne sais pas de quoi de ce qu'il parle. Je sais que tu dois avoir faim, donc tu dois boire quelque chose. Prends-le. Ça va, bois. S'il te plaît, calme-toi. Je vais me parler plus de ta famille. Je vais le faire. Je vais dire. Ok. Oloma, comme tu vois, nous avons une invitée, elle va rester avec nous pour quelques jours. Donc je veux que tu arranges une des chambres des visiteurs pour elle. Qu'est-ce qui ne va pas? N'ose pas toucher à ma nourriture. Grande-sœur. Ne m'appelle pas ta sœur. Sorcière. C'est clair, non? Toutes tes œuvres mystiques sont exposées. Non, grande-sœur, pourquoi? Allez, ferme ta bouche. Maintenant, tu es satisfaite. Tu as réussi à nous faire demeurer dans cette servitude. Juste pour rien. Maintenant, écoute-moi. Je vais te décevoir. Je te promets que tu n'auras plus rien chez moi. Méchante, diablesse, sorcière.
Qui est cette personne qui maltraite cette innocente des filles? Mais dans ce monde, il y a vraiment des choses qui sont incroyables. Qui sait le nombre de personnes qu'elle a déjà ensorcelées sur cette terre? Je ne suis pas une sorcière. Hey! Donc tout le monde dans ce village sait que tu es une sorcière. Des malheurs pourraient nous arriver en restant avec cette fille. Allons plutôt avertir les autres qu'elle se trouve par ici. Ah, hein. Je l'ai dit dans mon analyse méthodologique, que quand le vent se confronte aux âmes élémentaires, il y aura la voie qui mènera à Jérusalem. Non, 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 non. Je dois retourner au royaume de Loco pour récupérer ma couronne. Non. Je dois aller à Jérusalem. Oui, je dois aller à Jérusalem. Ce qui va être, va être. Pas de regret. Je dois aller à Jérusalem. Dans le nom de Jésus, Kalaba Santa Ribaralania et Sakata Lakaribaralana, Père, au nom de Jésus. Est-ce qu'il a déjà rejoint l'au-delà, la grande déesse? On parle d'une distance de milliers de kilomètres. Il arrivera à un point de rupture. Et pourquoi son âme refuse de souffrir de manière tragique et aller rejoindre le royaume des ténèbres dans l'au-delà? Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour prévenir que son âme ne revienne pas sur son corps. Je ne comprends pas. Son corps est encore conservé dans les méandres de l'avant-mort. Il n'est rien d'autre qu'une carcasse. Alors, pourquoi devons-nous venir monter la garde autour de sa carcasse si la terre a déjà pris son âme? Le corps ne peut pas mourir s'il n'est pas séparé de l'esprit et de l'âme. Il est toujours en unité avec l'âme et l'esprit. Et cette séparation est possible. Et nous sommes là pour voir ce qui va se passer. Alors, ça prend trop de temps. Nous devons attendre. Oh, Malakat Sandari Barat Santa Kari Barat Santa. Oh, Père, merci de prendre contrôle. Illa Barabala. Oh, merci Jésus. Merci. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. J'asperge le sang de Jésus dans cette chambre. J'asperge le sang de Jésus dans cette maison. J'asperge le sang de Jésus sur toute la maison au nom de Jésus. Père, nous prions que tu interviennes et que tu combattes pour tes enfants, ô Père. Toute machination, tout plan de l'ennemi, Père, nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Père, nous prions que tu prennes le contrôle absolu. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu nous as donnée. Ah ouais. Ah.
Awale, Awale, réveille-toi, c'est urgent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez dit que vous étiez chrétien. Et je vous ai fait confiance. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne veux pas faire ça. Ne faites pas mal, n'abusez pas de moi. Quoi? Awale, Awale, penses-tu que je vais te toucher? Écoute, je ne vais pas coucher avec toi, je ne vais pas te toucher. C'est urgent, viens, nous devons prier ensemble. Père, je prie que tu prennes le contrôle absolu. Père, je demande que tu couvres cette maison, Père. Calme-toi, ça va. Il est où? Ça va, calme-toi. Il n'y a rien ici. Je te couvre avec le sang de l'agneau qui est versé sur la croix du calvaire. Au nom puissant de Jésus. Ça va, ok? Prends la Bible, d'accord? Nous allons lire la parole. Ça va? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Tout plat, toute machination du méchant qui vient contre toi au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Je te chasse. Quitte cet endroit au nom de Jésus. Seigneur, tu as versé ton sang sur la croix afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons guéris. Père, maintenant, j'implore ce sang sur nos vies. Le Saint-Esprit. Ah, alléluia. Alléluia. Ah, merci Jésus. Ça va. D'accord. Ça va. Tu sais quoi? Nous devons aller dans ton village maintenant. Maintenant. Habille-toi. Quoi? Maintenant? Tout de suite. C'est une sorcière. Il faut bien l'attacher. Tape bien. Sorcière, ouais, tourne comme ça. Sorcière. Vite. Oui. C'est une sorcière.
C'est une sorcière. Tu es là. C'est vous. Il n'est pas une sorcière. Je vous supplie, pardon. S'il vous plaît, elle n'est pas une sorcière. Laissez-la libre. Tu m'étonnes. N'est-ce pas que tu es la première victime de tous ces crimes? À plusieurs reprises, tu l'as accusée d'être une sorcière par ta propre bouche. Oh, et pitié. On est tous humains. Ma sœur n'est pas une sorcière. Elle n'est pas une sorcière. C'est une sorcière confirmée. J'ai d'ailleurs perdu ma propre sœur à cause de sa sorcellerie. Elle doit mourir. Oui. Dieu te voit. Dieu ne me voit pas. Dieu vous voit. Arrêtez de ta femme. S'il vous plaît, non, laissez-la partir. J'ai possible. Oh, tu vas menacer, c'est pas quand tu as dit ces choses. Ce que tu as dit sans le savoir vous a mis dans ce problème. C'est très mal. C'est un âge aujourd'hui. Tu allais venir ici. Je lui ai supplié, demandant pardon. Moi, je n'allais pas croire. Gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous connaissons tous la pénalité pour la sorcellerie dans ce village. Oui, exactement. Elle doit mourir. Ouais. Miso, tu es là? Miso, vous êtes où? Miso! Il n'y a personne, il serait allé où? La maison est complètement vide. Il n'y a personne dedans? Et ça devrait être fermé quand il n'y a personne. J'ai bien cherché partout dans toutes les pièces, il n'y a personne dans la maison. Écoute, ça va, calme-toi, écoute, tu dois être forte. Nous allons les chercher et les trouver, d'accord? Eh petit, s'il te plaît, viens. Est-ce que tu as vu mes soeurs? Mes soeurs sont ici. Elles ont été emmenées au carré du village. Le carré du village, allons-y, je sais où ça se trouve. Arrêtez, elle doit mourir. Monsieur, quitte-la. Il faut quitter. Quitte-la. Quitte-la. Sorcière. Répète-la, s'il te plaît. Sorcière. Répète-la. Prononce la parole. Dis-la. Ouais. Vas-y. Prononce. Vas-y. Celui qui est dans ce monde.
Essaye. Non. Lève-toi. Lève-toi. Calme-toi. Calme-toi. Ça va. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Prends les pieds. Prends les pieds. Voici la deuxième nuit, la grande déesse, mais... Il est une âne têtue, mais ce qui doit être fait sera fait. Mais la surveillance de la grande déesse est sûrement nécessaire pour ça. Nous devons continuer à le surveiller. Non, son âme est insignifiante par rapport à ce que nous devons faire cette nuit. Nous devons partir. Grande déesse des ténèbres. La nuit, le ténèbre doit dominer sur tout le monde. Nous devons tout faire la nuit. Et le monde entier attendra nos cris. Sale petit rat. Ton corps nous aidera à réussir toutes ces cérémonies. Ton corps doit être présenté comme une offrande de vierge. Mon corps ne sera pas à vous. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous allons voir. Celui qui est contre moi ne prospérera jamais. Tout genou fléchira donc devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Ça va, allons à l'intérieur. Pasteur, Pasteur Ebuka, merci de me sauver la vie, merci. Écoute, Prince Ebuka me va, d'accord? D'ailleurs, je ne mérite aucune gloire. Toute la gloire va à Dieu. C'est lui qui a ordonné mes pas et permis que je sois ici, ok? Merci beaucoup. Ça va aller. Merci. Oui. Écoute, tu as la vocation de Dieu sur ta vie et je dois te dire que ton ministère vient juste de commencer. Alors je demanderai que tu viennes avec moi en ville pour aller dans notre église. Et je te présenterai à notre pasteur qui t'aidera à grandir dans la voie de Dieu afin que tu puisses accomplir l'appel de Dieu sur ta vie.
Je suis d'accord, monsieur. Tu es prête? Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Aolé. Écoute, ça fait longtemps que j'espère en Dieu. J'ai jeûné, j'ai prié. Je lui ai demandé de me montrer la femme qu'il m'a destinée à passer le reste de ma vie avec. Et le premier jour là que je t'ai vu au bord de la route, même lorsque tu pleurais, tu étais déprimé. Mais quelque chose au-dedans de moi m'a dit que toi, que c'est toi. Voici ce que j'essaie de dire. S'il te plaît, aimerais-tu être ma femme? J'ai prié au sujet de ceci. J'ai vraiment, vraiment prié. Je t'en prie, ne dis pas non, s'il te plaît. Oui. Ouais? Oui, je le saurai. Merci beaucoup. Luca? Luca? Oh. Ah, Wally. Masha. Ici, Dinsa. Luca? Salut, salut votre frère. Qu'en est-il de maman? Où se trouve maman? Nduka, ça va, calme-toi, d'accord? Tu auras les réponses à toutes tes questions, d'accord? Dieu merci, tu es revenu, c'est très bien. Allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Ça va aller. Allons à l'intérieur. Hein, ça va, ok? Ça va. Allons-y. Ici. Ici. Qui vous a fait ça? Désolé. Ça va, tu te porteras bien, d'accord? Désolé. Doucement, ça va. Désolé. Désolé, désolé. Ma fille, viens. Mets-toi ici. Elle est adorable. Bien sûr. C'est comme ça que je suis arrivé à rencontrer cette belle famille. C'était vraiment Dieu. J'ai essayé de vous expliquer beaucoup de choses, mais vous avez refusé de me croire. Et maintenant, vos yeux sont clairs. C'était arrivé au point où, lorsque j'avais ces confrontations spirituelles avec Oloma, j'ai vu sa mère manifester dans le spirituel. Oui, ouais, j'ai vu sa mère dans leur sanctuaire. Attends. Donc, Oloma était une sorcière? Ouais. Mais elle se comportait comme une vraie chrétienne dans ce royaume. C'est ce que je suis en train de dire. Pardonne-moi, mon fils. Ce monde est en effet un réel mystère. Ouais, c'est vrai, tu as raison, Père. Mais nous remercions Dieu de nous avoir donné la victoire. Glorifions son nom. Mais il a aussi une bonne nouvelle. Ah, en tout cas, ça nous va droit au cœur, mon fils. Il a une bonne nouvelle. Bien, dans tous ces troubles, dans toutes ces épreuves, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé ma future femme. Bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Ah ouais, ici est une très bonne femme et elle est une viens, bénédiction. Viens, 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 ma fille. Oh, viens, t'es merveilleuse. Père, j'ai aussi pris la responsabilité de prendre soin de sa famille. Non, mon fils. Cette responsabilité devrait revenir à toute la famille royale.
je vais maintenant tous les adopter. Oh, votre Dieu, Majesté. Votre Père. Merci, merci beaucoup. De rien. Votre Majesté, que Dieu vous bénisse. Levez-vous, levez-vous. Merci beaucoup, Votre Majesté. Longue vie à vous. Mon prince, merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir, mon prince. Mon prince, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Votre Majesté, merci beaucoup.